en Europe lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on est très de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ça, c'est clair. C'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Ça, c'est clair. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tcharoï, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Amoukou, oh mon Dieu, Seigneur, calme-toi. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on est des milices. Salut chers fans, c'est votre humble serviteur Manon Sabi. Bon samedi et bon week-end à vous tous. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Est-ce que vous avez suivi le discours du président de transition burkinabé en Russie? Ha! Ibrahim Traoré. Qui es-tu? Non! Ça, c'est un président. L'Afrique a besoin des présidents comme toi. Je vous rappelle que présentement, il n'est que le président de transition au Burkina Faso. Mais c'est un président qui sait vendre son pays. D'ailleurs, vous avez suivi comment il a rappelé aux Européens que son pays, le Burkina Faso, est le pays des hommes intègres. Et il les a rappelé que ici en Europe, quand le peuple prend les armes pour se défendre, on les traite des patriotes. Mais chez nous en Afrique, quand le peuple prend les armes pour se défendre, on les traite des talibans, des missiles ou de tout ce qui est de mauvais. Voilà quelqu'un qui connaît enfin la valeur de son peuple. Voilà, l'Afrique a besoin des présidents comme toi, monsieur Ibrahim Traoré. L'Afrique a besoin des présidents comme toi, car tu es un homme intègre. Ton peuple mérite d'être traité comme des hommes intègres. D'ailleurs, toi-même, tu es d'abord un homme intègre et tu sais valoriser ton pays, tu sais valoriser ton peuple. Tu as besoin de voir ton pays évoluer. Chers fans, regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Suivez cette vidéo attentivement et on se retrouve à la fin pour que chacun de nous puisse donner son point de vue en commentaire. Mon président, continue. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais laisser dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois m'excuser. Mon président, tu t'excuses pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Ou qu'est-ce que tu dois faire de mauvais? Mon président, tu es un homme intègre. Ces anciens présidents, ils n'ont rien foutu de leur vie. Tout pour eux, rien pour les autres. Mon président, parle. Je suis à tes ordres. Parle. Continue. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. Ça, c'est clair. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est clair. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Ça, c'est clair. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Ça, c'est clair. Nous sommes ensemble parce que actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. De ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Ça, c'est clair. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Maman! Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent dans le monde à mendier? Je m'interroge. Mais mon président, il n'y a que toi pour les poser ce genre de questions.
continue. Voici les questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. J'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Ça, c'est clair. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Je m'interroge. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'un chef d'État traverse donc le monde à mendier? Voici les questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Chers dames, vous chaussez glands, vous avez du mal à trouver vos pointus de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sacapuce est là. Sacapuce a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sacapuce est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Clignancourt, 75 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sacapuce est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sacapuce.fr. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tcharoï, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes. En nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas, peut-être l'homme, le temps est imparti, est très court,
nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà! Vous voyez comment je suis en jaillé? Non! Mon président, je me mets encore au garde-boue. Non, je suis au garde-boue. Merde! Chef Van, j'espère que vous avez regardé cette vidéo. J'espère que. Non! Ça, c'est un président. Il mérite. Non! Peuple burkinabé, peuple du Burkina Faso, maintenez ce monsieur au pouvoir. Maintenez ce monsieur au pouvoir. Maintenez monsieur Ibrahim Traoré au pouvoir. Oui. Car il mérite de rester là-bas. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est qu'un président de transition, il se soucie de son peuple. J'ai dit, il vient en Europe, dit aux Européens que sachez que mon pays est le pays des hommes intègres. Il valorise d'abord son pays. Il dit ceci. L'Afrique a toutes ses richesses. L'Afrique a le soleil, l'eau, a une bonne nature, a l'or, le diamant. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le continent le plus pauvre? Comment se fait-il qu'avec toutes ces richesses que possède l'Afrique, nos chefs d'État sont toujours en train d'aller mendier chez les Occidentaux? Ils sont toujours en train d'aller faire des prêts d'argent. Et même quand ils partent faire ces prêts d'argent, c'est même pas pour soutenir le bas peuple. C'est pour mettre dans leur poche. Oui. Entre-temps, nos frères et sœurs essaient de traverser la mer, le désert, dans le but d'aller se chercher en Europe. Ils meurent au désert. Ils meurent dans la mer tous les jours. Ibrahim Traoré a dit que vraiment, son peuple, c'est-à-dire le peuple burkinabé, le pays des hommes intègres, on lui est chargé de passer le message aux Européens qu'ils ne veulent plus que leurs enfants meurent dans l'eau. Oui, donc prochainement, quand il y aura un problème. Non, 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 ça c'est un président. Ça c'est un président. Ça c'est un président. Il dit peuple burkinabé, maintenez ce monsieur au pouvoir. Non, vous voyez, vous voyez. Oh, non, 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 non. Mon père, il n'y a pas ton double pour que tu l'envoies au Cameroun. Non. Mon président, tu n'as pas un frère jumeau qu'on peut lui donner la nationalité camerounaise. Peut-être qu'il peut venir sauver notre pays. Hein. Il peut venir sauver notre continent, le Cameroun. Mais jusqu'à là, j'attends aussi. Depuis là, je ne vois pas le discours de notre Koukouma, l'homme lui en circulé sur la toile. J'ai seulement vu son entrée comme ça, comment il marche comme un robot, comme un robocop. On dirait que notre Koukouma là, il a présentement, il n'a que 50 ans. Donc il se refait quoi. Mais je n'ai pas encore vu son discours. J'ai déjà cherché jusqu'à. Bon, si je ne vois pas son discours se balader sur la toile, ça veut dire que peut-être. Bon, je ne sais pas. Je ne veux pas moi parler. Oui, je ne veux pas moi parler. Parce que en même temps, j'ai envie de voir mes enfants grandir, non? Vous me comprenez, non? Mais ça, c'est un président. Non, le président Burkina Faso. Je me mets à tes ordres. Monsieur Ibrahim Traoré. Je me mets à tes ordres. Je suis au garde-boue. Chers fans, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous sur mes pages Facebook et ma chaîne YouTube. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si vous êtes à Dieu. Aïcha, pardon maman, continue notre vidéo. On s'appelle. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Ça c'est du replicant Mano Sabi. Papa Mouillet, tu es dormi. Tu laisses à Dieu. La société nous compte.
pas de coup de Bruxelles, mon superviseur. Ça c'est du replicant Mano Sabi. Ça c'est du replicant Mano Sabi.